congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc, je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Bonjour, chers internautes des 3 fois W Congo Yasika. C'est la communauté congolaise de la Norvège. Nous sommes venus bien recevoir notre sœur Angélique qui a reçu le prix de la Nations Unies. Voilà, nous sommes très contents que nous sommes là. Votre humble serviteur Maurice Premier là. Et toute l'équipe de Congo Yasika avec son coordinateur Papa Tito, accompagné par le prêtre, notre prêtre de l'Église catholique ici en Norvège. Voilà, nous sommes en train d'attendre là très bientôt. Notre sœur va sortir directement à l'arrivée internationale. Et nous sommes en train de découvrir ces reportages-là. À très bientôt, à 2 minutes, vous allez voir les images. Pour la caméra, pour avoir un passé. Un peu votre cigarette, c'est flair calme. S'il vous plaît, doucement. Non, non, c'est même calme. Et grande sœur, c'est avec une grande joie mêlée de fierté que nous, représentants de Congolais vivant en Norvège, vous souhaitons la bienvenue de la plus cordiale à Oslo. Précédez aussi en avant vous. Nos chaleureuses félicitations pour le prix Lansing 2013 que vous avez gagné. Soyez la bienvenue, ma soeur. Les drapeaux, les drapeaux, les drapeaux. Donc, bienvenue pour le choix. Vous êtes bien au courant du programme pour la communauté congolaise. C'est chargé de faire une soirée vraiment congolaise en votre honneur. Et beaucoup plus sûr sur le point de vue en avoir la France. Mais on est tous là. Et bienvenue. Bonsoir, c'est Congo Yasika, c'est le site internet de la diaspora. Nous sommes de la média ici à Norvège. Moi, c'est Monsieur Maurice. Nous sommes très contents de venir faire ce reportage. Comment vous sentez après avoir reçu ce prix Narsenga? Vraiment, je suis très heureuse. Ce prix, au début, pour moi, quand j'avais reçu l'annonce, c'était une surprise. Car je ne savais pas ce que c'était si grand comme ça. Et après, j'ai réalisé que non, c'était vraiment pour nous. Car c'est chaque fois que je demandais au Seigneur de nous donner des personnes pour pouvoir soutenir ses femmes et ses enfants. Et j'ai remercié grandement le Seigneur qui nous a donné la force et la santé pour pouvoir continuer jusqu'à ici. J'ai remercié aussi l'équipe de ACER qui m'ont donné ce prix pour l'intérêt des femmes et les enfants des Africains de la LRA. Alors, soyez les bienvenus à Norvège et nous aurons le temps de vous interviewer après les activités. Merci, ma sœur. Merci beaucoup et merci pour le prix que vous avez reçu. Merci, Bandeko Balandi, Bakungo, Yasika. Comme nous avons dit, vous allez dans le magazine Salsa Congo. Le magazine Salsa Congo, vous allez dans le magazine Moga Mounien, dans la RDC, dans la TV, CNTV. Alors, désormais, Congo Yasika, magazine de la Canadienne TV, on a pour ça les Congo. Voilà, les lots aujourd'hui, tout le monde yamba. Ah, on a 4 en Norvège spécial magazine. Salissa Congo, Sœur Nabiso Angélique, où est-ce que vous avez pris mon prix Nobel et mon prix correspond à prix Nobel, prix Narsen. Prix Wanaba Pesaka Yango, Naba
ndeko na bato oyo baza ko mériter na ba œuvre humanitaire na kati na mokili. Alors toza fier en tant que congolais awa na poto koyamba sœur Angélique Autoza Priwana. Yango introduit salisa ko motala ba sœur aboye. Baza ko se sacrifier mutu moyi pona ko salisa ba mama na biso na Congo, bana na biso baza na ba problème ko bazangi ba parents, vraiment toza très content. Yango te ko tourner d'autre soit élément oyo ya Sœur Nabiso Angélique, na katia magazine Nabiso Salsa Congo. Magazine Nabiso Salsa Congo et banda koleka en direct via CN, CNN TV na Congo. Alors Bokolanda, n'engini se go déroulé, n'engini bako yambaye, n'engini ko soit pris wana pour la fierté ya Congo. Merci wana Zalaki Wabino, Maurice Mokulu, le responsable de Congo Yasika et le coordinateur des magazines Salsa Congo. And we will hear from her later. But we know that she was awarded a very important prize last week, the 30th of September, in Geneva. That's the headquarters for UNHCR. And UNHCR awarded to Sister Angélique Namaika a prize called the Nansen Prize. That prize has a very special name because it was because of Fridtjof Nansen, the Norwegian, that it started. And this prize has been awarded since 1954 every year to an individual or to an organization that has done remarkable work for refugees and displaced people. And it's supported by Norway and Switzerland. So it would be a very that we see her in Oslo and that we have this meeting in the ministry with the people who support your work and the people in the civil society. So that's why you're all welcome to, this is our biggest meeting room in the ministry. This afternoon we are going to see a film about Sister Angélique's work. Later on I will invite Ida Kreutzer to introduce officially Angélique Namaika, and after that we will hear from herself about her work, and then we will have a question and answer session. By the age of 9, Sister Angélique knew she would devote her life to helping others. It was a German nun in her village who was her inspiration. Decades later, the sister is doing exactly that. She works in a remote part of Northeast Democratic Republic of the Congo, where hundreds of thousands of people have taken refuge from armed groups, including the Lord's Resistance Army, the LRA. With the most meager of resources, literally a bike and her two hands, Sister Angélique has helped more than 2,000 displaced women and girls who have survived horrific human rights abuses by the LRA. Julie, not her real name, was 13 when she was abducted. 5 years later, she escaped and found her way to Dungu. During her... So we present with her, and she became the remedy that appeased my heart. Monique, Julie, and Patricia are just 3 women out of thousands who were helped by Sister Angélique. Sadly, there are so many more who need assistance. Undeterred by the scope of violence, hardship, and misery surrounding her, Sister Angélique carries on her work, determined to do everything she can. Back home, and the about the technical problems we had, but the northeastern part of DRC and the wonderful work that Sister Angélique has been doing, and the smile that she still has in her face when she's meeting, it gave me a lot of strong impressions. But let us now here invite the Norwegian Refugee Council, Ida Kreutzer, to come here and
the work with the Nansen Award. So that's why we are very happy to have you. J'ai fait ce qu'on dit restitution. Je rassemble les femmes, je leur dis ça. And every time I come back from a visit, I do a restitution. I gather all the women and I tell them about my visits. Par exemple, la fois passée, quand j'étais partie en Amérique avec notre rencontre là, j'ai dit aux femmes, je reviens de l'étranger, j'ai vu d'autres femmes là-bas vraiment qui travaillent partout. Après avoir changé avec elles, aujourd'hui, si vous allez à Dungu, beaucoup de femmes mariées sont rentrées à l'école. Au niveau des deuxièmes secondaires, plusieurs femmes sont rentrées maintenant. For example, after my last visit in the US, I told the women that I've seen many women there in the US and I explained what the women were doing. And today, if you come to Dungu, you will see that many girls went back to school. They went back to school. Et beaucoup d'entre elles aiment l'alphabétisation. Celles qui n'ont jamais été sur le bas de l'école, qui étaient à l'école, mais elles ne savent plus lire et écrire. Elles désirent cela. Ça montre déjà qu'il y a des femmes qui veulent comprendre ce qui existe. Courage, and also giving these words. Yes, sir. Sir, ici vous avez un agenda, le cachet de Black Extension, l'organisation sur les régions, et ça pouvait noter tout ce que vous faites avec nos jeunes gens là-bas pour l'année 2014. Et là-bas, vous avez une calculatrice. Toujours frappé au logo de Black Extension, l'organisation des régions. Vous pouvez calculer, quand vous avez une idée, calculer combien de pain, c'est difficile. Combien de pain et combien de... Et là, comme vous vous promenez toujours la nuit, nous avons des torches que vous allez utiliser. Vraiment, ça éclaire la nuit, ça éclaire bien le premier de la nuit. C'est toujours frappé au logo de Black Extension. À ce qu'elle a fait, elle a suivi, elle a lu des livres, elle a eu des contacts avec d'autres, elle a suivi un modèle. C'est bon. Est-ce que la sœur Angélique, est-ce que vous préparez une autre sœur Angélique? Si les gens que vous êtes en train de former sont des jeunes gens, des jeunes filles qui vous connaissent, qui vous aiment, est-ce que vous les préparez mentalement pour qu'elles se prennent en charge, pour qu'elles parviennent à comprendre qu'aujourd'hui, les femmes aussi sont capables de faire des choses que les hommes peuvent faire. Ils se battent pour leur avenir. C'est tout, c'est ma question. Nous voulons que nous ayons, que c'est l'Angélique, et que ce que vous faites. Merci beaucoup. So my question is... Thank you very much for this opportunity. My name is Prosper Mambo. I'm coming from Congo and I'm now working for the Congolese diaspora in Hawaii. My question will not be to our sister Angélique, but I need to ask to the Norwegian government or authorities about what they think. To according to this tragedy in Congo, because up to now we have now registered about 8 million of people killed in Congo, and you say that no one wants to talk about this tragedy. So our question was just to say that give assistance to a community, it's a very important issue, but find solution to end this kind of tragedy should be a very capital issue to do. And after that, I wrote here that what kind of solution the Norwegian government think to
to give to the Congo, Congolese community, because we know that Norway today or Norwegian today are a very capital actor in the international community politics. And we know that the international community. Det setter søkelys på den forferdelig vanskelige humanitære situasjonen I Kongo, en humanitær situasjon som verden vet alt for lite om. C'est aussi très important parce que à travers ce prix-ci, ça relève, remonte un peu le ça conscientise un peu le genre par rapport à ce qui se passe au Congo. C'est un prix qui peu de gens le connaissent. Derfor vi veldig glad for at søster Angelique her I Norge, og at hun her I kveld. Og nå ser vi frem til å høre hennes tale. Donc ça nous sommes tellement dans la joie de recevoir notre soeur avec nous et nous serons encore dans la joie de l'entendre nous parler aujourd'hui. Merci. Nous allons suivre le discours du président de la communauté de la diaspora. Et dans le Congo, c'est ce que diaspora, ni n'a rien. Ma sœur Angélique. Et elle dit aussi, sœur Angélique. Parce que c'est notre langue. Parce que c'est notre langue. Vous dites dans votre språque. Nous sommes ici présents. Vi her I kveld. Nous les Congolais. Vi congolaisere. Les représentants. Du Haut Conseil des réfugiés norvégiens. Et les autres nations aussi qui sont présentes ici. Les grands prix que vous venez de recevoir. Den store prisen som dere har mottatt. Le prix Nansen. Nansen-prisen. C'est un grand prix. Det en stor pris. Où il y avait plusieurs responsables. Hvor det var mange nominerte. Det å få det å motta prisen ikke noe enkelt. C'est la grâce de Dieu. Det Guds nåde. C'est pourquoi nous l'avons remercié infiniment avant de venir ici. Derfor vi takket dem veldig mye for at de før vi kom hit. Le Haut Commissariat pour les réfugiés. Derfor vil vi takke flyktningshjelpen. Et aussi, parce que grâce à eux, nous ont fait venir la sœur Angélique ici et nous vivons cette joie ensemble. Gjort det mulig for vår søster å være med oss I dag, derfor vi takker de også. Reverend Angélique. Søster Angélique. Le monde entier aujourd'hui. Verden I dag. Est content que vous exercez au Congo. Veldig takknemlig for det dere gjør I Congo. C'est pourquoi ils vous ont décerné ce prix. Det derfor du har fått utdelt denne prisen. Cela s'est présenté par votre simplicité. Dette har vist seg I deres simplicité et surtout avec votre dévouement auprès des victimes de violences et des femmes surtout des femmes au deres kamp mot for kvinner parce que les femmes sont le soubassement même le fondement même de notre nation vous dites kvinner bygger grunnlaget for vår nation. Vous êtes alors le motif de fierté pour nous. Dere dere representerer noe vi kan være veldig stolte av. Fierté pour la femme en général. Stolthet for kvinner. Fierté pour toutes les femmes congolaises. Stolthet for alle congolaisiske kvinner. Et surtout, fierté pour la... Vous êtes la fierté
pour la femme de l'Église. They are also told that for giving in Egypt. Et surtout des consacrés et religieuses. Surtout des consacrés. Des consacrés religieuses. Non, non. Non, non. Oh, spécial. Il est en train de nous. Alors, pour ce soir, pour l'équivalent, avec tous nos frères ici présents, mais vous et les plus nous avons essayé de préparer ce que les Norvégiens appellent les finger mat. Mais nous, nous appelons ça les piakalina. Oui, parlez le piakalina. Des choses que nous pouvons manger à la. C'est-à-dire qu'il y a un peu de chaleur, mais purement africaine, à la congolaise surtout. Tin, oui, comme tu dis, nous avons des chikwangs. Chikwanga. Nous avons un peu du riz. Viralis. Nous avons un peu de salade. Vira aussi salade. Pour aider les Norvégiens aussi à participer. Pour aider les Mais nous n'avons pas de poisson congolais, mais nous avons des poissons norvégiens que nous avons pour les congolais. Nous avons un peu de camoundélé. Et un peu de macayabo. Ça montre que nous faisons les finger mats congolais ici. Pour terminer, parce que nous ne pouvons pas être très loin parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients. Nous, comme nous avons déjà dit, vous êtes notre fille. Alors, quand votre fille termine ses études ou bien elle fait quelque chose de bien, on essaie toujours de lui donner un cadeau pour lui motiver de continuer sur le chemin qu'elle avait déjà pris. Vi ger därför en gåva till vår jente för som en tecken på motivation. Alors, nous avons un petit cadeau norvégien. Vi har en liten gåva, norsk gåva. Cela, avec ce cadeau, vous allez voir votre passage ici au sol. Med den gåvan så vill ni se deras så vill visa så vill visa att du har varit i Norge. Et ce cadeau, c'est aussi le symbole de d'un tricot norvégien. Gaven viser litt av det norske. Alors, je demande à la fille de donner le cadeau à ce. Så igjen, donc du prie Gaven. Je remercie tout le monde qui sont rassemblés ici pour partager avec moi cette chaleur.